Les nouvelles en détail. Le ministre des Affaires étrangères, Seema Chokri, a tenu une séance de pourparlers avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, actuellement en visite au Caire. Les deux ministres ont tenu une réunion à huis clos, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid, qualifiant d'historique les relations entre les deux pays. Les deux ministres ont également tenu une conférence de presse au terme des pourparlers. Un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Seema Chokri et son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar ont confirmé samedi les relations profondes unissant les deux pays dans divers domaines. Lors de la conférence de presse tenue au terme de leur pourparlers, M. Chokri a souhaité la bienvenue au ministre indien lors de sa première visite en Égypte depuis sa prise en fonction, soulignant que les relations connaissent une nouvelle étape de développement. Le ministre a ajouté que la dernière période avait été marquée par la visite en Égypte du ministre indien de la Défense et la tenue de la réunion du Conseil d'affaires égypto-indien, en plus des discussions qu'il a eues avec son homologue indien en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui reflète les cadres communs de la coordination conjointe. M. Chokri a souligné que la visite de son homologue indien coïncidait avec la célébration par les deux pays du 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Il a expliqué que l'Inde avait marqué au cours de la dernière période des réalisations en matière de développement et que l'Égypte a également fait au cours des 8 dernières années des réalisations liées à la stabilité et à l'amélioration du niveau de vie, notamment dans le cadre de l'initiative Vie décente. Les pourparlers ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun au niveau régional et international. Le président Abdel Fattah el-Sissi a reçu un message du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou, sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de soutenir la consultation et la coordination entre les deux pays frères en vue de la prochaine conférence sur le climat à Sharm el-Cheikh. Le message a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Seema Chokri, président désigné de la 27e session de la conférence sur le climat COP27, alors qu'il recevait la ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République du Congo-Brazzaville. Les deux ministres ont passé en revue les derniers développements de la préparation en cours de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Chokri a affirmé l'effort de l'Égypte pour faire sortir la conférence avec des résultats positifs sur l'action internationale sur le climat et ce à différents niveaux et pour représenter une étape importante dans la mise en œuvre des promesses et engagements climatiques, y compris la fourniture de financements climatiques et le respect des contributions déterminées au niveau national dans le domaine de la réduction des émissions d'une manière qui contribue à la réalisation des objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique.